Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé pour terminer cette semaine la nouvelle. Eh bien, on termine en beauté. Nous avions commencé, bon, pas très folichon, mais on termine la semaine avec en beauté. La nouvelle, eh bien, ça peut être une nouvelle inattendue, une surprise, ça peut être une surprise, une libération peut-être, un événement, hein, vraiment un événement inattendu. Eh bien, cette carte annonce l'arrivée imminente de nouvelles que vous attendiez. Cela pourrait peut-être prendre la forme d'un courrier, peut-être que vous allez recevoir un courrier, peut-être aussi d'un appel téléphonique, peut-être un message, un SMS, peut-être un mail. En tous les cas, eh bien, cette période est propice à la communication et de bonnes surprises sont en vue. Donc aujourd'hui, attendez-vous à avoir des nouvelles. Cette carte, elle annonce un événement inattendu. Et cet événement inattendu aura un très 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 fort impact positif et significatif sur votre vie. Ça peut être au milieu professionnel, hein. Ça peut être aussi, vous attendiez peut-être un courrier sur votre logement. Ça peut être, allez, je dis un exemple, la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi une évolution dans votre couple, c'est-à-dire le retour de l'être aimé. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cet être aimé. Ça peut être aussi des nouvelles d'un enfant que vous n'aviez plus, que vous n'étiez plus en contact avec, ou quelqu'un de la famille. Mais ça pourrait être aussi une nouvelle rencontre sentimentale. Au point de vue boulot, vous pourriez avoir des nouvelles au sujet d'une mutation, au sujet, eh bien, d'un autre poste plus intéressant. Enfin, la nouvelle, elle va être très, très, très positive. C'est une surprise, hein, cette nouvelle, vous ne vous y attendiez pas. Mais c'est le résultat de ce que vous désiriez. C'est quelque chose de très favorable, d'un souci, voilà, d'un souci qui vous préoccupait. Donc, allez voir votre boîte aux lettres, allez voir vos mails, vos SMS, et peut-être, c'est peut-être un appel téléphonique, n'est-ce pas? Voilà. Enfin, c'est une belle carte, hein, je suis ravie pour à ceux que ça va parler, parce que bon, c'est toujours agréable d'avoir des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Je termine avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, la guérison véritable. Ah non, non, ça c'est celle d'hier. Excusez-moi. Donc, voilà, je tire une autre carte. L'univers ne veut que mon bonheur.
L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond, quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons consciemment ou inconsciemment. Eh bien voilà, encore une belle synchronicité avec cette carte La Nouvelle, n'est-ce pas ? On termine en beauté. Je vous souhaite une toute belle journée, un excellent week-end avec votre famille, vos amis, dans l'amour inconditionnel, dans le rire, la joie. N'oubliez pas de rire, c'est bon pour les zygomatiques, c'est bon pour le moral, c'est bon pour, pour tout ce qui est à l'intérieur de vous. C'est très positif. Et puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien. Et puis moi, je vous embrasse. À très vite.